SAMSIC, une superbe entreprise, trois pôles d'expertise. SAMSIC Facility, service aux entreprises. SAMSIC RH, recrutement, intérim. Et SAMSIC Aéroportuaire, assistance aux compagnies aériennes et aux aéroports. Un point commun, l'expertise de ces hommes, l'envie d'avancer et d'entreprendre. SAMSIC, c'est une forte croissance qui nous amène aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros avec toujours la même constante, privilégier le rapport à l'humain. Nous sommes une entreprise familiale, inscrite dans la recherche de la performance collective et responsable avec l'ensemble de nos 90 000 salariés à travers le monde. Je suis Christian Rouleau, je suis né en 1951, je suis briochin, fils d'ouvrier. Très rapidement, après des études très courtes, puisque j'ai fait un brevet plus deux, je me suis retrouvé au siège de l'Alstom à Paris à travailler sur le projet TGV. Comme je m'y ennuyais, je suis reparti et je suis rentré dans le monde de la propreté en 1972. De 72 à 86, j'ai beaucoup appris. Et comme je considère qu'on ne fait bien que ce qu'on connaît bien, j'ai créé le groupe SAMSIC au 1er septembre 1986, sans salariés, sans chiffre d'affaires et sans clients. Comme je suis convaincu que ceux qui ne savent pas, ils vont sont sûrs d'arriver ailleurs, dès 1986, nous avons mis tout en œuvre pour être différents sur les prestations que nous proposions à l'ensemble des entreprises européennes que nous avons rencontrées. Une société de service, c'est une entreprise qui fait vivre ensemble des femmes et des hommes. La partie déterminante, c'est la capacité que l'on a à mettre en mouvement toutes ces valeurs humaines et faire en sorte que sur le temps, ils se sentent bien dans l'entreprise chez qui ils travaillent. Ce qui m'a motivé, ce qui motive toujours, ce sont les projets. Les projets, pour moi, c'est déterminant. Chaque matin, si je n'ai pas un projet nouveau, je ne suis pas bien. L'argent, pour moi, ça n'est qu'un élément pour pouvoir réaliser des projets. Que l'on ait 20 ans, que l'on en ait 40, 60 ou 80, quand on a des projets, on vit. Ce dont je suis le plus fier, toute modestie gardée, c'est le fait d'avoir su fédérer avec moi des femmes et des hommes et de me dire qu'en 33 ans de temps, on a réussi à animer aujourd'hui 160 lignes de métier à SAMSIC, c'est quand même assez remarquable. Dans l'entreprise, nous avons pris un engagement très fort depuis la création de SAMSIC, c'est d'avoir une adéquation permanente entre le handicap et l'emploi. Et je suis très fier aujourd'hui, et ce depuis de nombreuses années, de dire que nous recrutons chaque année plus de 1000 salariés en situation de handicap. Nous avons une des équipes les plus performantes françaises dans ce domaine. Un élément aussi pour lequel je suis très fier, c'est un atelier pour handicapés lourds que nous avons créé en Mayenne et que nous gérons. Nous avons créé une fondation qui s'appelle Bretagne Authentique Ambition pour tout ce qui recherche sur la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques. Nous sommes très fiers d'avoir pu mobiliser plus de 100 chefs d'entreprise sur ces sujets par des dons permanents à la fondation Bretagne Authentique Ambition. Alors la suite est relativement simple, les anciens s'en vont et les nouveaux sont en place pour, je l'espère, des générations et des générations.